de ce tableau retrouvé il y a 4-5 ans, je crois, et qui va faire l'objet d'une vente en juin. Alors je l'écoutais, voilà, la dimension un peu de femme, le parcours, le passeport, la vente et la possibilité. Et il parle de Londres et de New York. Et comme je suis très parisien, très français, je me dis, mais pourquoi on ne travaillerait pas à Paris? J'ai peut-être une idée. Alors je suis sous une idée qui aurait été de l'accueillir à Derby avec en contrepoint l'artiste devant Derby. J'avais déjà une petite idée, mais je n'étais pas trop sûr parce qu'il fallait que j'interroge Buren. Et Buren, qui a travaillé dans Patrimoine, il interroge un petit peu l'architecture. Je lui ai dit que ça pouvait faire sens. Et je lui ai parlé d'une famille d'œuvres de Buren, où il y avait donc ces hauts reliefs avec des miroirs qui permettaient de voir des segments, puisqu'en fait, c'est une exploration finalement. Il a fait donc une introspection pour expertiser ce tableau. Donc je me disais que l'audience, les visiteurs pouvaient voir autrement aussi ce Caravage. Et j'aimais cette idée des 400 ans. 400 ans qui séparent finalement. Il a été un astre de la modernité de son époque, puisque Poussin disait qu'il détruit, je crois, la peinture. Et notre ami Buren, dans les années 60, au milieu, quelque part, il souhaite couper, casser l'école de Paris. Donc je pensais que ça pouvait faire quelque chose d'assez pertinent et de montrer, de donner à voir ce qui sépare finalement une histoire de l'art. Donc Buren a une idée d'inviter, et j'ai terminé par ça, son ami Majid, qui est ici, je crois, qui est formidable, et avec qui il a travaillé dans le cadre de l'Opéra de Paris, Daphné et Louise de Benjamin Duvivier. Ils ont travaillé ensemble et il y a eu une vraie complicité, une vraie intelligence. Donc c'est Majid qui a eu cette idée de couper de manière diagonale la galerie, donc on ne reconnaît plus du tout, avec cette sinistre transversale, et de créer en fait ces deux sources de lumière à la manière de... Je vais donner la parole. Allez. Quand le tableau est exposé à Londres, on a eu vraiment des problèmes d'éclairage. C'était très compliqué. C'est un tableau qui est vraiment beau, encore plus beau que vous ne pouvez le voir là, à la lumière naturelle. Et vous savez, il y a un grand spécialiste de Caravage, qui est Keith Christensen, qu'on connaît plutôt comme le patron du Metropolitan Museum de New York, mais c'est le grand spécialiste de Caravage. Et quand il est venu voir le tableau la première fois, c'était il y a 5 ans. Hein. C'est une histoire qui dure un petit peu. 5 ans. Et il m'avait dit, écoute, je vais montrer le tableau à la galerie, et il m'a dit, je me prononcerai sur ce tableau que quand je l'aurai vu à la lumière du jour. Ce qui était quand même compliqué. Et effectivement, à la lumière du jour, on a trouvé la solution. Mis dans mon appartement, chez moi, dans ma chambre à coucher, il y a une fenêtre qui donne plein sur. Donc il a eu le tableau en pleine lumière et c'est là qu'il s'est décidé, il a dit, tu peux y aller, ton tableau est de Caravage. C'est le tableau qu'on cherche à tous. Et en fait, c'est un tableau qu'on a beaucoup de mal à présenter à la lumière électrique. Et je suis infiniment reconnaissant à Magie du travail qu'il a fait. Et j'ai revu mon tableau presque comme s'il était au soleil. Alors, l'histoire du tableau, vous la connaissez ou pas trop? Non, pas trop. Il faut tout recommencer. Oui, c'est bien. 400 ans, allez, on le voilà. Bon, il faut que vous alliez sur le site qu'on a fait. On s'est donné beaucoup de mal, on a mis tout le catalogue en ligne. Le catalogue fait 170 pages, le catalogue papier. C'est 170 pages en français et 170 pages en anglais. Les 170 pages sont sur le site. Et vous avez beaucoup plus de choses sur le site, à commencer par... Il y a quelque chose qui va vous manquer, c'est qu'il n'y a pas d'interview du propriétaire, parce qu'on le cache. Voilà. Et il se cache, il va venir. Voilà. Les propriétaires ont gardé l'anonymat. Mais il y a des interviews de la restauratrice, des gens qui ont fait des analyses scientifiques, des historiens d'art qui, à côté de Christensen, se sont prononcés sur le tableau. Donc ce tableau, découvert à Toulouse, par une famille qui nettoie son grenier, en fait, qui vide son immeuble. Et ils appellent leur commissaire-priseur, qui est Marc Labarbe. Il se trouve que j'ai beaucoup de chance, parce que Marc Labarbe, d'abord il travaille avec moi, donc c'est la première chance qu'on ait, mais c'est certainement un des meilleurs commissaires-priseurs de province. Et c'est un garçon qui a une caractéristique, c'est un garçon qui a de la chance, mais il a vraiment de la chance. Tout le temps. Tout le temps. Il a une bonne étoile. Voilà. Plus que ça. Et puis je pense que tu vois, il a une bonne étoile et il n'a pas de parapluie pour le couper de son étoile. Ça marche. Voilà. Et
C'est lui qui a découvert ce rouleau chinois qui a vendu pour 22 millions d'euros il y a 5 ans à Toulouse. Une opération vraiment sensationnelle, puisque l'autre moitié du rouleau s'est vendu à Hong Kong, présenté par une grande maison internationale pour 8 millions. Donc, c'est un garçon qui est tout sauf idiot. Voilà. Et il nous a envoyé une photo, et l'autre personne à qui je suis très reconnaissant, c'est le constructeur de ce petit instrument. iPhone. Voilà. Ce tableau, il est arrivé chez nous par la technologie Apple, en fait. Marc Labarbe. Oui, vraiment. Mm-hmm. C'est, on peut en parler, mais c'est vrai que cette technologie, l'Internet, a bouleversé un métier comme le mien, qui était un métier complètement déclinant. Aujourd'hui, il est en pleine explosion. Et si on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui avec ce tableau, c'est grâce à Internet. Si le catalogue est disponible gratuitement cet après-midi, si vous pouvez trouver 170 pages avec des illustrations bien plus belles que toutes celles que vous pourrez trouver sur papier, c'est grâce à cette technologie. Et si les relations sont si faciles avec un Marc Labarbe et avec les 300 maisons de vente avec qui nous travaillons, c'est grâce à ça. Ils sont dans un château, dans le Lauragais ou dans le Dauphiné, et dans le grenier, ils prennent une photo, ils nous l'envoient, et nous on a un iPad et on peut travailler dessus. Et je ne vous dis pas qu'on n'a plus besoin de voir les tableaux. Ça débroussaille. Voilà. D'abord, ça nous évite les jurons. Voilà. C'est qu'ils sont une plaie de mon métier. Les jurons qui arrivent par paquet de 10 toutes les semaines. Cette famille de Toulouse vide son grenier, elle s'adresse à son commissaire-priseur. Et le commissaire-priseur nous envoie le tableau. Et quand le tableau arrive, eh bien, nous avons ce livre que je vous recommande chez Tashken, le meilleur bouquin sur Caravage, 45 euros. Il faut vous dépêcher parce que je crois qu'il n'en reste plus tellement. Et dans le livre, alors que ce tableau avait été dans ce grenier pendant plus de 150 ans, il y a une photo en couleur de notre tableau. Alors, ça, c'est la vieille technologie. On est dans l'ancienne économie, hein, c'est Tashken. Et en fait, c'est pas notre tableau, c'est la copie qu'on connaissait, c'est la copie qui est dans un musée de Naples et qui avait été exposée, publiée partout, comme étant la copie d'un Caravage perdu. Alors, comment on sait qu'il y a un Caravage perdu? Parce qu'on a 4 documents d'archives, peut-être même 5, du 17e. On est à Naples en 1607 et nous avons une lettre d'un homme d'affaires qui représente les intérêts du duc de Mantoue. Cet homme d'affaires s'appelle Ottavio Gentili. Et il est à Naples pour négocier l'achat d'une collection de tableaux pour Mantoue. Le duc de Mantoue, c'est le prince de Liechtenstein aujourd'hui. Un grand seigneur, très riche, très cultivé, immense collectionneur, qui achète tout ce qu'il peut acheter, boulimique, comme sont les vrais collectionneurs, chez toi comme chez moi. Voilà. Ils en veulent toujours plus. On les aime. Et voilà, on les aime. Et donc, en marge de la négo, parce qu'il est en train de négocier la collection de tableaux, en marge de la négo, il écrit à Mantoue une phrase qui nous intéresse et qui est dans cette lettre qui est conservée dans les archives de Mantoue. Et j'ai aussi vu Due belle estime cose di Caravaggio, qui l'a peinte à Naples pendant qu'il était là-bas. Elles sont chez Finson. C'est tout. Une ligne. Deux lignes. On a une deuxième lettre, fin septembre 1607, parce que Liechtenstein, non, Mantoue est un collectionneur réactif. Et le duc de Mantoue envoie son expert. Son expert, c'est la grande époque des experts, où les experts savaient faire quelque chose, c'était les peintres. Voilà. Aujourd'hui, c'est les modestes élèves de l'école d'humour. Et son peintre, son expert, c'est Franz Purbus. Et Purbus voit les deux tableaux et il nous les décrit. Il décrit la Vierge du Rosaire, c'est la 3. La Vierge du Rosaire, qui est ce grand tableau, qui est aujourd'hui au musée de Vienne, dont on connaît l'affiliation directe. Il décrit un grand tableau d'Ancona, c'est-à-dire d'autel, avec une Vierge qui donne le rosaire. Et un deuxième tableau, un Holoferne et Judith, donc il est encore vivant, ce qui est très rare. Je dirais qu'il n'est pas vivant pour longtemps, mais il est vivant. Les gens du 17e, à une époque où on n'était pas bombardés d'images comme aujourd'hui, les gens du 17e écrivaient beaucoup mieux que nous. Ils étaient beaucoup plus précis, très, très, très ponctuels. Et Holoferne et Judith, il est vivant. Et ça, c'est rarissime, que la plupart du temps, ce pauvre Holoferne, on voit sa tête, on voit son corps décapité avec son sang sur le lit, mais on ne voit pas l'homme vivant. Et là, il est vivant, et il a un dernier regard pour la personne qui l'agresse. Il décrit donc ce tableau à dimension d'acaméra, donc un tableau
par opposition au tableau d'hôtel, un tableau d'intérieur, d'Acamera, avec trois figures vues à mi-corps. Et ce tableau, on le connaissait par la copie d'époque peinte au même moment, à quelques années près en tout cas, qui était dans cette collection de Naples. Cette copie, elle était exposée partout, comme la, une sorte d'avis de recherche. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai que dans le Far West, il y a 150 ans, on avait des grandes affiches « Wanted ». Voilà, et ben là, nous, on avait cette affiche, et bon, je veux la prime parce que j'ai trouvé le tableau. Voilà. On a fait, on a rapproché le... Quand le tableau est arrivé, je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. Non. Quand le tableau est arrivé, Julie Duché, qui travaille, nous sommes trois experts au bureau, et c'est un métier qu'il faut faire plusieurs, on fait tout ensemble. Quand le tableau, quand la photo est arrivée, on a regardé la photo, tous les trois, et c'est vrai qu'on n'a pas reconnu Caravage. On a dit à la barbe, mais la photo qu'il nous a envoyée était le tableau comme ça, comme il l'a trouvé. Ah, c'est... Ah oui. Avec le rouge était enfoui sous des vernis très très épais. Les coups d'éponge. Oui, les coups d'éponge du propriétaire pour nettoyer la poussière. Et à droite, un dégât des eaux qui avait endommagé le tableau. L'eau avait dû en ruisseler dessus, sur un thé. Alors là, on voit la deuxième photo. Le tableau était trouvé comme ça. C'est-à-dire, sans cadre, le cadre c'est nous qui l'avons mis. C'est un cadre d'emprunt. Il était trouvé sur châssis et sans cadre. On voit le dégât des eaux, vous voyez. Et sur châssis, posé contre un mur, derrière un sommier, un matelas, des berceaux cassés, parce qu'il y a un grenier, quoi. Dans le site, vous verrez la photo du grenier. Vous verrez aussi tout ça, la photo du châssis, qui, je vous en parlerai après, qui est importante pour nous. Et donc ? Châssis, grenier, tableau de face au mur. Document. Il arrive. 1607. Voilà. Et on le reconnaît parce que Julie a eu l'idée, elle se souvenait. Qu'un an plus tôt, à Naples, en 2013, il y avait eu une exposition de cette copie. Ils avaient fait un petit catalogue en disant « Voilà tout ce qui nous reste d'un grand tableau perdu de Caravage. » Elle se souvenait de ça, et c'est ça l'expertise, hein, c'est de mettre deux petits bouts de ficelle l'un à côté de l'autre, ça fait une corde. Voilà. Et pas pour ce point, mais pour un autre. Elle a ouvert ce bouquin que je vous recommande, le Tashkent, 45 euros. Voilà. Dans le livre, elle a vu la photo de, non pas de notre tableau, bien sûr, mais de la copie. Avec un texte tout à fait parfait, comme tout ce que fait Schulze, l'auteur de ce bouquin. C'est la vraie histoire de l'art allemande, c'est taillé au couteau, c'est impeccable. Et avec une traduction tout à fait formidable. Et il dit, voilà, le tableau documenté, etc., qui disparaît. Et il ne disparaît pas tout de suite, il disparaît pendant 10 ans. Vous savez, Caravage, en 1607, est en fuite. Il a eu une discussion avec un ami dans une rue à Rome un an avant, et puis l'ami est mort dans une flaque de sang. Donc, il a eu tendance à aller à la campagne, dans une campagne profonde. Il est protégé, caché, etc. Ensuite, il va à Naples. Pourquoi Naples ? Parce que Naples était une ville qui n'était pas italienne. Naples était espagnole. Il y avait un vice-gouverneur. Et la police papale ne pouvait pas le chercher là. Et il faut savoir que, contrairement à ce que notre illustre académicien Fernandez a pu écrire, Caravage est un artiste qui est archi-protégé. C'est un artiste quasi-officiel, Caravage. Ce n'est pas du tout un monsieur persécuté, il n'était certainement pas homosexuel. Tout ça, c'est du roman le plus total. Parce que ce qu'on sait de lui, on le sait, on a pas mal de documents, c'est un artiste qui travaillait tout seul, mais on a des documents d'archives, et on a surtout, et ça on en a pas mal, des rapports de police. Parce qu'il avait des rapports réguliers, il était intime avec la police papale, et toujours pour les mêmes histoires, des histoires de femmes plutôt, mais surtout de femmes pas toujours très recommandables. Voilà, des histoires, pas de meurtre, des histoires de couteaux. De couteaux. Il avait un... C'est un monsieur, voilà, un monsieur qui était à peu près normal dans le social, mais il avait un problème avec les couteaux. Ça arrive. Il n'avait pas le droit de porter de couteau, parce que pour porter un couteau à Naples, pour porter une arme, il fallait être noble, et il n'était pas noble. Et il va se battre toute sa vie pour avoir le statut de noble. Il l'a à Malte, parce que les chevaliers de Malte vont faire frère, et là il en abuse encore. Bon, c'est un monsieur pas toujours noble. J'ai perdu le fil. Et donc, comment... Là, je vais te rattraper cette fois.
Cabana. 10 ans après. Voilà. 10 ans plus tard. Donc Caravage, 1607, est en fuite. Il a été protégé par les chevaliers de Malte. Il part à Malte. Il y reste un an. Il y a encore une discussion, un coup de feu est tiré. Il fallait même mettre tout le monde au trou. Il se sauve. Il arrive à s'échapper de Malte. Ce qui veut dire à quel point il était protégé. Parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent Malte, oui, pour se quitter Malte au 17e, à mon avis, il fallait être très loin. Et les chevaliers de Malte ne rigolaient pas, ils tenaient la mer, donc il a fallu qu'ils soient archi-protégés. Il rentre sur le chemin de Rome, et sur le chemin de Rome, en fait, il va chercher sa grâce, parce que le pape a signé sa grâce, alors qu'il était meurtrier 4 ans plus tôt, c'est-à-dire à quel point il était protégé. Il rentre, et sur le chemin de Rome, il meurt. C'est 1610. Le tableau, on n'en entend pas parler entre 1607 et 1617. Mais on le retrouve en 1617, à la mort de Louis Finson. Louis Finson, peintre marchand, peintre de deuxième rang, de deuxième catégorie, mais marchand de première catégorie. Immense marchand, très riche, très dynamique. Il a vendu plus de 15 Caravages, Finson. Et il vendait pour des prix astronomiques. Donc c'est un très très grand marchand. Il meurt, même les grands marchands meurent, en 1617, en 1617, quand même, en 1617. Et dans son testament, on retrouve le tableau. Il fait donation du tableau à son voisin, ami et associé, et on apprend qu'il donne que sa demi-part des deux tableaux. Donc la Vierge du Rosaire, que vous avez vu tout à l'heure, à Vink, qui était son voisin de maison à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que ses deux compères, ils étaient très très liés, à tel point qu'on sait que Finson a fait un enfant et une servante de Vink. Voilà, ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans, et il meurt dans la maison d'à côté de Vink. Et là, il y a une description précise du tableau. 2 ans plus tard, Vink meurt. Et Vink était comme Finson, il était catholique et belge, enfin flamand, pardon, et il rentre dans sa ville, Anvers, et Vink meurt en 1619 à Anvers. Et on a, dans les archives d'Anvers, on a son inventaire après décès. Et dans l'inventaire après décès, on a la Vierge du Rosaire, qui va être achetée aux héritiers de Vink par Bruegel et Rubens, qui vont monter une coalition de peintres pour garder un tableau du Caravage dans leur ville. Et ils achètent le tableau, et c'est celui qui est resté en verre jusqu'à la Révolution française, qui est aujourd'hui au Kunsthistorische de Vienne. Donc à l'époque, les peintres, pour préserver les chefs-d'œuvre, achetaient d'autres... Oui. Rubens était un grand découvreur de Caravage. C'est Rubens qui va avoir fait, et un grand défenseur de Caravage, c'est Rubens qui fera acheter à Montoux la mort de la Vierge du Louvre, qui est aujourd'hui au Louvre. C'est Rubens qui était le conseiller, l'expert du duc de Montoux, qui lui fera acheter. En fait, pour Buss, il n'a fait que remplacer Rubens. Quand Rubens rentre à Anvers, il envoie son meilleur élève comme conseiller. C'est la grande époque où les peintres étaient aussi experts et marchands. Donc, 1619, le tableau a disparu entre Amsterdam et Anvers, entre 1617 et 1619. Et on retrouve sa trace en 1689 à Anvers, dans l'inventaire après décès d'un grand marchand d'Anvers qui s'appelait Alexander Voet. On retrouve la Judith et l'Holoferne du Caravage, qui est estimée pour un très gros prix. C'est forcément celui-ci, parce qu'il n'y avait pas d'autre Caravage qui se promenait là-bas. Et il n'y avait pas de raison. Et depuis 1689, il disparaît. Alors comment ça peut disparaître un tableau comme ça? Ça paraît bizarre, mais parce que ça valait rien. Il faut bien voir, Caravage c'est une leçon d'humilité pour nous, experts, marchands, galeristes, c'est une leçon d'humilité pour tous. Entre 1650 et 1950, cet artiste a disparu. Ah oui? Disparu. On ne savait plus qui c'était. On savait, les historiens d'art très pointus savaient qu'il y avait un artiste qui avait été très important, mais le public, ces tableaux n'étaient pas recherchés, ils avaient perdu toute valeur, donc il n'y avait pas de procès, pas de vol, pas de cambriolage, pas de rien du tout, pas de dispute entre héritiers, puisque ça valait zéro. Ça, c'est aussi quand les choses valent plus rien, elles disparaissent. C'est une leçon classique. Et puis en 1951, à Milan, il y a une exposition, Caravaggio et Caravaggeschi, organisée par l'historien d'art Roberto Longhi. Et ça a été une très grande découverte. En fait. Redécouverte. Redécouverte. Et la redécouverte était en Italie. Tout de suite, c'était une petite bombe en Italie, on va dire une grenade. Mais la vraie bombe, c'est un historien d'art anglais, Denis Mahon, comme on écrit en français, Denis Mahon, qui voit l'exposition. Il est mort l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Il voit l'exposition de Milan et il écrit un article pendant l'exposition dans le
Burlington Magazine en disant « J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un immense artiste qu'on ne connaissait plus. » En fait, c'est le grand peintre du 17e. Et depuis, Caravage est allé crescendo jusqu'à vous faire venir tous aujourd'hui. Et en fait, on le redécouvre, mais pour moi, et c'est pour ça que c'était très, c'est l'idée du regard, vous voyez, c'est très important, le regard, comment on regarde les choses. Et c'est la génération du cinéma italien qui a redécouvert Caravage. C'est la génération de Vittorio De Sica, c'est la génération d'Anna Magnani, qui aurait été Judith absolument extraordinaire. Et Roberto Longhi est un homme, c'est un très grand historien d'art, ça faisait 30 ans qu'il travaillait sur l'artiste, mais c'est le cinéma qui a changé notre regard, qui a permis d'accepter, de redécouvrir la puissance de Caravage. Puisque, au fond, Caravage, il invente quelque part le cinéma, parce qu'il invente l'éclairage artificiel. Caravage, on dit que c'est un naturaliste. Oui, c'est un naturaliste, certes, mais c'est un naturaliste qui s'appuie sur des moyens complètement artificiels. Il s'appuie sur des miroirs qui concentrent la lumière. Nous, nous sommes habitués à ces éclairages violents, à ces éclairages de projecteurs. Mais au XVIIe, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement choquant, quelque chose auquel on ne pouvait pas s'habituer. Et c'est comme ça qu'il avait tant d'ennemis. La magnifique exposition de Caravage qui vient de fermer à Jacques Marandré, ça s'appelait, moi je trouvais que le titre était sensationnel, ça s'appelait Caravage, amis et ennemis. Et il avait quelques amis, mais énormément d'ennemis. Mais il avait quand même quelques amis, et quels amis ? Parce que les amis, c'était des grands cardinaux romains, c'était des gens très riches et très puissants qui s'arrachaient ces tableaux à des prix considérables. Mais il n'a pas toujours été comme ça, Caravage. Il a eu beaucoup de mal à démarrer. Il a eu une enfance de peintre, si on peut dire. Ses débuts ont été très difficiles. Il vendait ses tableaux pour des prix ridicules, il crevait de faim. Et en fait, le premier Caravage, c'est un peintre assez classique. C'est lui. Ça, c'est le tableau du Louvre, et ça, c'est le tableau du musée Capitolin à Rome. Deux tableaux qu'on date de 1595-1587. Vous voyez des gens beaux, aimables. C'est une diseuse de Bonaventure. La seule chose un tout petit peu louche, c'est qu'elle lui lit les lignes de la main, mais elle est en train de lui subtiliser, bien sûr, sa bague, dans la grande tradition. Mais on a un tableau très aimable, tout est beau. On est dans le culte de la beauté idéale, qu'on retrouve dans la première version de la Judith, qui est celle-ci, qui est celle que vous avez tous vue à Jacques Marandré. Il faudrait que tu nous passes la deuxième. J'ai perdu. Toujours ce type de femme. Ouais. Alors, ou c'est la même, ce qui est probable, ou c'était son type féminin. Parce que les peintres ont ce privilège, ils prennent les femmes comme ils les veulent. C'est ça qui. Voilà, la première version, vous voyez, elle est très, très 16e siècle encore. Et puis, ça c'est le tableau Barberini que vous avez vu à Jacques Marandré, qu'on date entre 1597 et 1602. On ne sait pas très bien. Mais on sait qui l'a commandé et on sait où était le tableau. Et on sait qu'en 1602, ce tableau était à Rome, caché chez Ottavio Costa. Donc ça ne peut pas être celui qui est décrit. Parce que c'est une des choses qui m'ont été reprochées. Moi, mais est-ce que vous êtes sûr ? Bien sûr qu'on est sûr que ce n'est pas l'homme. Parce que celui-là, on sait où il était. Mais c'est pas. Et on voit l'extraordinaire évolution de l'artiste entre une jeune femme belle qui est, je sais pas, j'aime bien dire ça, mais elle est effectivement comme une cuisinière un peu qui hésite à trancher la tête du poulet, elle trouve ça dégoûtant. Là, elle y va. Entre temps, la femme a mûri, c'est vrai. Elle est plus cette jolie fille un petit peu mijaurée, un peu trop distinguée. Elle est devenue une femme mûre, sûre d'elle, qui assume son geste et qui nous parle, qui nous prend un témoin. Une guerrière. Ah oui, exactement. Et il a surtout, il a creusé sa composition. Au lieu d'avoir une composition en frise, une composition comme un bas-relief romain, il a creusé sa composition, il a fait une sorte de théâtre tragique, une sorte de pipe-show du 17e avec une scène extrêmement violente à l'intérieur. Et c'est un artiste qui, on comprend très bien qu'il ait sauté 300 ans, mais il nous parle à nous, il parle comme nous, il nous touche par des détails, comme la beauté du. Alors, il nous fait rentrer dans le tableau par la sensualité, en fait, par la beauté de ce rideau rouge, ce poids du rideau rouge, qui est important. Il faut que vous lisiez le texte. Hein. Le texte, c'est impératif de lire. D'abord, ça se lit en 15 minutes. C'est un admirable texte biblique, c'est un des plus beaux textes bibliques, l'histoire de Judith.
Et le tableau colle au texte, et à mon avis, on ne peut pas comprendre la beauté de ce tableau si on ne lit pas ce texte. Je l'ai mis dans le site, hein. Si vous tapez de Toulouse Caravaggio, vous allez le trouver à la fin. Le texte nous dit que la tombe d'Holoferne était un truc à tout casser, un truc magnifique. Et le texte nous dit même qu'il y avait des bijoux dedans, etc. Donc ce rideau rouge, il a un rôle, c'est pas simplement de la décoration, ça fait partie du message que fait passer le peintre. Caravage, pour revenir, comment il est un homme du cinéma du 17e ? Il concentre les éclairages. Au lieu d'avoir la lumière, de baigner ses figures dans une lumière universelle, la lumière naturelle, il triche, et avec des miroirs, avec des jeux de miroirs, il concentre la lumière sur les éléments essentiels. Et en faisant ça, il concentre notre attention et il arrive à nous chercher. On sait, là aussi, un document police passionnant pour nous, la fuite de Caravage. En 1606, il quitte Rome après cette discussion dans la rue, il fuit et il y a un inventaire de son atelier. Et dans sa maison, dans son atelier, on trouve une table, un lit, une chaise, une assiette, une fourchette, 12 verres, 8 couteaux et un miroir. Et le miroir, c'était... Parce qu'un miroir, en 1607, ça valait très cher. Le miroir, c'était pour diriger la lumière et la concentrer. Faire ce qu'a fait Majid ici. Et chez la lumière, est... on a un autre rapport de police. Il a un procès avec une logeuse. Sa logeuse, plutôt, il est à convoquer la police, ce qui jette des cailloux sur les volets de sa logeuse. Ce qui n'est pas bien. Et en fait, la logeuse lui fait un procès parce qu'il a crevé le plafond de son appartement pour avoir la lumière. Oh, la lumière du jour. Alors, ça en fait un très gros pain, pas forcément un locataire. On s'arrache. Il invente ce mode d'expression, il invente quelque chose. Et ça, c'est au service, c'est un artiste qui a, je sais que c'est pas la mode aujourd'hui, mais il faut quand même le dire, c'est un artiste qu'on ne peut pas comprendre si on ne le rattache pas à la contre-réforme. C'est un artiste qui est 100% au service de l'Église catholique ou des grands cardinaux qui sont ses grands commanditaires. Ça, c'est à partir de 1600. Le premier Caravage, celui de la Diseuse de Bonaventure, celui des beaux personnages. Voilà, celui-ci, il peint des sujets civils, il peint des sujets faciles. Attends, je vais garder ça. Avec des éclairages très... C'est un tableau aimable, magnifique, oui. Très, 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 très Georges de la Tour. Oui. Le vrai Caravage, c'est celui qui invente l'éclairage tragique. C'est celui qui bouscule les codes. C'est celui qui fait mourir les gens. C'est celui qui, devant nous, c'est celui qui montre des ongles sales, comme les ongles de la servante ici, ou cette extraordinaire main avec aussi les ongles sales de la main d'Holoferne qui s'appuie, qui cherche à se relever, cette main de soldat, de général, cette main bronzée par opposition à son corps blanc protégé par l'armure. Et ça, c'est dans le texte. Aussi, le texte, Caravage, c'est un artiste qui incarne le texte. Il incarne le texte, il nous fait rentrer dans le texte. C'est un artiste de propagande et de propagande anti-protestante, parce que c'est un tableau qui est un tableau profondément de la contre-réforme. Et les commanditaires de ce tableau, tout le monde savait au 17e que ce tableau était un tableau anti-protestant. Même Martin Luther, parce qu'il ne connaissait pas ce tableau, mais il parle du livre de Judith en disant « Le livre de Judith n'est pas un livre historique, critique, parce que c'était des textes qui étaient utilisés contre les protestants. » Pourquoi ? Parce que Judith est une incarnation de l'Église catholique, elle est fidèle à la loi, elle est fidèle à la hiérarchie, elle défend l'ordre établi, et elle est une femme. Judith est mise en valeur comme les femmes par la contre-réforme. Chez les réformés, il n'y a pas de femmes. Donc en fait, si Judith incarne l'Église catholique, donc la vieille servante moche comme tout, elle serait donc qui ? Elle serait... L'Ancien Testament, oui, c'est ouais. L'Ancien Testament. Et donc Holoferne serait des protestants. C'est Martin Luther, ça ouais. Va. Ouais. C'est de la propagande pure, ouais. C'est formidable. Alors, on n'est pas sûr qu'il faille aller si loin, qu'effectivement, dans l'esprit de tout le monde à Rome, c'était Martin Luther. Dans l'esprit des gens cultivés, probablement. On ne sait pas si Caravage était cultivé, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ses commanditaires étaient cultivés. On sait que Giustiniani était cultivé, on sait que Del Monte était cultivé, on sait que le monsieur à qui on propose ce tableau, provenant en seconde main, le duc de Mantoue, était immensément cultivé. Il était aussi, c'est lui qui a protégé Monteverdi, c'était un grand mécène de l'art de la contre-réforme. Donc, dans l'esprit de tout le monde, Judith représentait l'Église catholique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les protestants qui ont lu ce texte jusqu'au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, vont le rejeter, parce qu'ils en avaient
marre de prendre dans la figure. C'était un tableau qui était un tableau, c'est de la propagande. Et alors, t'as Judith qui est vêtue de noir, donc elle est dans les, elle est habillée avec un vêtement finalement qui reprend. Alors, faut que tu nous montres la page 2. Alors, oui, elle n'a pas toujours été en noir. Parce que dans le texte nous dit, il faut vraiment faut que vous le lisiez, hein, je parle. Le texte nous dit que Judith, quand elle quitte son village, elle quitte sa ville pour aller dans le camp des Assyriens, elle demande la permission et on dit qu'elle abandonne derrière elle ses vêtements de veuve. Elle est veuve, hein. Il faut bien expliquer le truc. Oui, il faut que je recommence. Ouais, c'est bien, parce que toi tu le sais, nous on ne sait pas. Ouais, pardon, et là, la fille, elle est très séduisante. Voilà. Ah oui, non, elle est au-delà du séduisant. Elle est sexy. Affluent. On voit des bouts de seins. Voilà, oui. Un chemisier, qui n'a de chemisier que le nom, est très transparent. Si vous l'avez vu, Jacques Marandré, elle est très très présente. Tellement présente que le propriétaire de ce tableau avait fait un meuble pour le cacher. Alors, il y avait deux raisons. Il pouvait chercher à cacher la Judith, qui en 1607 était quand même un tout petit peu audacieuse. Ou, moi je crois plutôt qu'il voulait garder le copyright de son tableau. Il ne voulait pas qu'on le copie. D'ailleurs, on ne connaît aucune copie de ce tableau, qui est probablement le plus célèbre de Caravage aujourd'hui, avant la découverte du nôtre, bien sûr. Est-ce que je considère comme encore plus beau. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez pourquoi cette ligne? La ligne, c'est parce que c'est plié ou pas? Non, je ne l'ai pas plié. Non, pas vous. Pas vous. Pas de constant. En fait, à Naples, merci Didier. À Naples, en 1607, on n'avait pas de métier à tisser assez grand pour faire des toiles de cette dimension. Donc, on prenait deux rouleaux de toile et on les raboutait. D'accord. Merci. Alors, c'est un défaut, bien sûr, mais ça prouve qu'on c'est bien. Non, ça ne m'agène pas. Ça fait partie. Non, ça ne prouve pas que c'est Caravage. Ouais. Ça prouve que le tableau est bien d'avant 1610, 1620. Non. Parce qu'ensuite, ils auront des métiers à tisser plus large. Taille de toile. Okay. Voilà. À Venise, on avait des grands métiers à tisser. On faisait des grandes toiles, mais pas à La fameuse robe. Ah oui, pardon. Oui, le texte nous dit que il nous décrit Judith comme une jeune veuve. On nous dit que Judith est une jeune veuve, très riche, très religieuse, une femme. On nous donne même sa généalogie. C'est une aristocrate, Judith. C'est vraiment. Elle est sortie. Tu sais, Eric, je suis sûr que tout le monde ne sait pas comme je ne le savais pas. C'est une jeune veuve juive. Oui, Judith, ça veut dire la juive. Oui. Qui en fait raconte bien parce que elle a perdu son mari. Oui, pardon. Elle a perdu son mari 3 ans plus tôt. Elle est fidèle à son mari. Elle vit dans cette ville qui est assiégée par Holofernes. Et cette ville est une ville clé. Elle sauve pas sa ville. Elle sauve le peuple juif. Elle sauve son peuple. C'est pour ça qu'elle est si fière. Et dans le texte, elle nous dit, c'est dans le texte. Écoutez-moi bien. Je vais commettre une action que nos enfants se répéteront d'âge en âge. Ça, c'est dans la Bible. Et ça, c'est ce qu'elle nous dit. Et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont le peintre a changé cette première Judith qui regardait ce qu'elle faisait. La gorge tranchée. Qui regardait ce qui est logique. C'est la cuisinière qui coupe le poulet. Là, elle lui fait toujours couper le poulet, bien sûr. Mais elle se tourne vers nous et la radio nous montre que sous son regard, elle regardait Holofernes. Alors comme tous les experts, moi je ne crois jamais les analyses scientifiques, une méfiance qui est peut-être liée à ma génération, je ne sais pas. Mais quand nous avons nettoyé le tableau, en janvier, là, il y a donc un mois, on a vu réapparaître la première trace de la paupière. Dans l'œil droit, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez ce petit trait blanc? Ah oui. Vous avez la paupière là, mais ici vous en avez un autre qui est réapparu. Non, vous voyez, je ne sais pas. Là. Oui, ouais, ça, absolument. C'était la première forme de l'œil qui, à l'origine, regardait ce qu'elle faisait. Ah, ouais. Vous voyez là? Oui, oui, voilà. Maintenant, oui. Voilà. Alors, quand on vient dire que le tableau est de façon, que c'est une copie, je vais vous dire, il faut regarder les tableaux. Ouais. Voilà. C'est merveilleux. C'est une exploration. Donc, elle quitte sa... Faut que je raconte l'histoire. Non, c'est important. Ouais, ouais. Vous avez le temps, là. Bien sûr, c'est fascinant. C'est fascinant. Mais Judith respecte la tradition. Le texte insiste bien en disant elle est fidèle au précepte juif, elle est fidèle à son mari, elle est fidèle à sa mémoire. On nous dit qu'elle est très riche, parce que je vous dis, on nous donne même
ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et tout. C'est une aresto chez Aristo. Et on nous dit qu'à la mort de son mari, elle se fait construire une petite cabane ou une petite tente sur sa terrasse qu'elle vit recluse. Elle garde tous ses biens. On est en Israël quand même. On ne les jette pas par la fenêtre dans les concerts. Mais le texte est très précis, il est plein d'humour. C'est vraiment. Donc Israël, pourquoi Israël est en guerre avec Nabucodonosor? Parce que Israël refuse de reconnaître les dieux de Nabucodonosor. Israël est fidèle à son dieu, il refuse de reconnaître les dieux des autres. Donc il résiste. Et Nabucodonosor lève une armée de 140 000 hommes. Donc si on ne peut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, ça veut dire quand même qu'il lève la plus grande armée qu'on ait connue dans l'Antiquité pour marcher sur Israël et détruire Israël. Et cette armée bute sur la ville de Judith, Bethulie. Bethulie, ça veut dire la ville de Dieu. Et la Bethulie résiste. Et on le ferme, plutôt que d'attaquer la ville, la siège. Et au bout de 3 semaines, les habitants de Bethulie veulent se rendre. Ils veulent discuter, ils disent on n'a plus de vivre, on n'en peut plus. Vous êtes des fous, vous les chefs. Ils se révoltent contre leur chef. Et finalement, ils discutent et ils trouvent un compromis. Le compromis, c'est on tient le coup pendant 5 jours. Si dans 5 jours, Dieu ne nous a pas donné un signe, on va rendre les clés, on va prêter, on va se rendre. Et c'est à ce moment. Et Judith se révolte. Et la révolte, c'est très important dans le catholicisme. Ça fait partie. Le Christ est le premier à les révolter. Et il y avait un article dans la Revue des Jésuites il y a 3 ou 4 ans là-dessus, sur la révolte. Et le Christ est le premier à les révolter. Et Judith se révolte. Elle se révolte contre cette révolution en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes en train de casser l'alliance avec Dieu. Nous sommes le peuple élu. Dieu nous a sortis d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, il a refermé sur nos assaillants, il nous a donné à boire dans le désert. Bien sûr que Dieu va faire quelque chose, laissez-moi sortir et je vais tenter quelque chose. » On la laisse sortir, elle quitte sa ville assiégée, elle laisse derrière elle donc son vêtement noir, ses vêtements de veuve, elle se remet ses beaux atours, le texte nous dit, elle arrive très sexy, toute sémillante, elle séduit les sentinelles, les officiers et bien sûr, elle va aller jusqu'à la ferme. Elle va le séduire, elle va surtout lui donner des informations. Elle va pas mentir, mais elle ne dit pas tout. Elle lui dit la vérité, elle lui dit dans 5 jours, ils te rendent les clés. Donc t'affole pas, c'est pas la peine de prendre des risques, d'exposer tes hommes. Dans 5 jours, ils vont se rendre. Ce sont des gens de peu de foi. C'est vrai, le texte insiste beaucoup sur les gens de peu de foi. C'est Bethulite qui était en train de casser l'alliance avec Dieu. Les Bethulites, c'est des gens comme nous, des pêcheurs, des pauvres gars. C'est ça qui est merveilleux. Et on la laisse sortir, elle séduit Oléphel, elle va presque jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Elle va presque jusqu'au bout, elle l'allume, il fout de cette fille, et il lui dit, on va célébrer ton arrivée au camp, je vais faire un banquet pour toi. Et quand il fait un banquet, et le texte nous dit qu'il boit du vin, comme il n'en avait jamais bu dans sa vie. Il s'endort, et tout le monde sort. On le laisse seul avec Judith. Et là, c'est le grand moment du texte, la prière de Judith à Dieu, où elle prie Dieu de lui donner la force de faire ce qu'elle doit faire. Et c'est ce qu'on voit là, parce que c'est la lumière de Majdid, qui est la lumière de Dieu, enfin, dans le tableau. Dans le tableau. C'est la lumière qui vient d'en haut, qui éclaire la lame. Et qui éclaire aussi cette main, qui va faire basculer la tête dans le sac. Une lame masculine. Ah, c'est là, oui, elle le tue avec, tu vois. Elle le tue. À nouveau, il faut vraiment lire le texte, c'est un texte très pragmatique qui décrit la chose très très précisément. Elle prend la propre épée d'Holoferne qui était à la tête de son lit. Donc c'est une épée d'homme. Et elle lui tranche la tête en 2 coups. Deux coups. Mais c'est, en fait, ça ne devait pas être facile de trancher une tête, et c'est des choses qui passionnaient Caravage. Et le plus beau tableau du monde, pour moi, de loin, le plus beau tableau du monde, c'est le tableau de Malte, la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Et là aussi, il lui coupe la tête en 2 coups. Ça ne devait pas être si facile de couper une tête. Donc, il lui a tranché la tête, et le sein est comme ça, la tête, le cou à moitié ouvert, il pose son épée avec... Tiens, faut que tu me montres. C'est pas mal pour le matiné, là, tu vois. Et on vous parlait du cinéma, le voilà. Le plus beau tableau du monde. C'est sublime. Alors, là, Judith, qui nous fait rentrer dans le texte, là, en nous regardant, elle est remplacée par les 2 compagnons de prison de Saint-Jean-Baptiste, qui sont terrifiés de voir ce qui est arrivé à celui qui était quelques heures plus tôt avec eux. Eux, ils nous font rentrer dans le tableau, par leur terreur. Et vous voyez, il a posé son épée,
Il a ce geste affreux, il met sa main à sa ceinture pour prendre le poignard qui est là, pour achever de couper la tête. Et c'est le sang, prenez pas un air dégoûté, madame, c'est du Caravage. C'est le sang de Saint Jean-Baptiste qui dégouline, qui fait une petite flaque, qui devient Fra Michelangelo Fascite. Il le signe avec le sang du Christ. Le sang de Saint Jean-Baptiste. Omar Mathieu. Et ça, c'est une idée. Ouais, ouais. Pardon, Non, mais c'est une idée qui a été reprise par un de nos plus grands cinéastes, Polanski, dans la première image du bal des vampires, si vous vous en souvenez. Vous vous asseyez, vous avez un grand truc blanc avec le bal des vampires en rouge, et c'est le rouge qui commence à dégouliner. Il a piqué ça. Non, un seul, celui-là. C'est ça qui est bien pour les experts. Comme ça, on a du boulot. Il y a du pain. Et là, on en a beaucoup. Allez, posez-moi quelques questions.